Bonjour. Les outils sont tous les éléments qui vous aideront à trouver votre entreprise d'accueil. Ils constituent vos armes principales face à l'adversité de la recherche d'alternance. On verra des outils que vous connaissez sûrement déjà tous, car devenus incontournables, jusqu'à ceux que nous avons nous-mêmes développés au cours de nos dernières années d'activité. Je vais vous les citer rapidement et on y reviendra plus en détail au fur et à mesure de la formation. Le plus important et aussi le plus connu, je vous laisse le deviner, bingo, il s'agit bien du CV. L'élément principal de votre dossier de candidature. Il va être votre pièce d'identité, votre carte de visite, enfin bref, la première image qu'auront les recruteurs de vous. Il devra donc répondre à certains nombres de normes afin d'être facilement lisible par tous. Pour ceux qui ont répondu la lettre de motivation à la question précédente, vous n'étiez pas loin. Elle complétera votre CV. Effectivement, vous ne pourrez pas mettre de belles phrases sur votre CV pour expliquer votre motivation, tandis que la lettre de motivation est faite pour ça. Il y a ensuite le corps de mail. Donc je reçois des dizaines de candidatures par jour et beaucoup d'étudiants rédigent une très bonne lettre de motivation ainsi qu'un très bon CV, mais l'envoient avec un simple mail « Vous trouvez ci-joint mon CV et ma LM ». Il n'y a aucune explication sur le poste demandé, sur la motivation ou même la personne en question. Et c'est dommage en plus d'être souvent éliminatoire. Pour finir, on va voir l'un de mes outils préférés. Il s'agit du tableau de candidature. Il va vous permettre de postuler un grand nombre d'annonces sur une longue période de temps en n'oubliant aucune relance à faire ou aucune candidature que vous avez réalisée. On verra bien sûr d'autres outils, on vous garde la surprise au fur et à mesure de la formation. Ceux que je viens de citer sont les premiers qui vous permettront de composer votre dossier de candidature. Appliquez-vous, car les bases sont très importantes pour une candidature bien réussie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour pouvoir profiter de nos offres d'alternance, vous pourrez retrouver le lien du site internet dans la description de cette vidéo. Et pour les entreprises qui souhaitent recruter un étudiant, vous pouvez faire une demande directement sur notre site internet pour parler à l'un de nos experts. Merci à tous, au revoir.